J'espère que tes capacités sont toujours là. Donc là, d'accord, c'est le début. Donc là, je pense que le gros danger. Non, d'accord. Alors, si je suis là, soit il y a un cadavre avec un tas de crâne. Alors, ce qui vient de tomber, c'est des post-it. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Il y a des bruits bizarres. C'est. Je vous rappelle que ce stream est professionnel. Enfin, pas ce stream. Mais cette chaîne. Heureux de vous voir. Salut. Salut. Comment t'as fait? D'accord. Vas-y, dis-moi en plus, t'as pas ça tout son. Oui, ça d'accord. Je sais rien si vous trouvez, si vous retrouvez, peut-être que comment on doit. Merde. Yeah, 62 XP. Attention par contre où tu vas. Je crois que t'as pris la mauvaise sortie, poteau. Si t'as pris la sortie à droite, en fait, tu es mort. Mais si je ne l'ai pas pris, tu es vivant. Donc j'ai délivré Ouais, j'ai donc délivré deux personnes. Non, pas guilde, deux magiciens. Et je suis empoisonné encore une fois, c'est trop bien. Au moins, je vide mon sac, voyez-vous. Au moins, le sac il se vide. Tac. Bon, ma force l'est décrue, mais. Prenez garde à ma colère! Rien à faire. Par contre, si je meurs et que Dalin ne meurt pas, il ne pourra pas viendre. Il ne pourra pas venir m'aider. Par contre, Dalin, ce serait cool que tu viennes, franchement. Je le dis tout de suite si je te fais chier. Hein. Et donc là, voilà où je devrais aller, où je devrais être surtout. Donc ouais, en fait, ça fait le tour. Et donc là, c'était juste. Ah bah en fait, c'était une zone. J'ai envie de dire bonus. Prenez garde à ma colère. Attaque. Normalement, par là, il y a un drop cool. Voilà, il y a un cadavre avec l'Elter Cap. One shot. La petite. Non mais le poison c'est bon hein. On sait comment ça marche, voilà. Voilà. Là ça m'a pas délivré le poison. Tac. Tac, tac, le quartz. Donc en fait le quartz c'est droit et fixe. Quoi? Dis-tu quoi? Ça fait deux fois que je meurs sans comprendre pourquoi. Le poison, c'est de la merde. Ah, heureusement que la sauvegarde existe. Ah, par contre, si j'essaye pendant mon incubation. Ouais, attends. Ouais, attends, j'ai sauvegardé loin. Ah oui, mais non, ma constitution, elle est décrue, putain. Attends, attends, attends. On va se reposer, le temps que ma constitution revienne. Ça doit faire deux fois que je dois mourir en moins de 15 minutes à cause des effets de merde du poison. Oh, s'il te plaît, la constitution. Ah oui, la constitution revient. Oh, mes 70 HP. Bientôt 80 HP. Les bordels, mais ça se fout de ma gueule, putain. Oh, mais c'est tellement la merde. Je me prends poison H24. Voilà. Ouais, bah non, attendez. On va pas faire ça complet. On va se barrer.
On va juste fouiller les cocons qui sont ici. Dalin, voilà, Dalin, vas-y, prends-toi le poison. Allez, Dalin, on y va. On est go, on se bouge le trou. Toi, je t'avais fouillé. Oui, je t'avais fouillé. Du coup, on va remonter. Et je vais juste vite fait voir mon journal de Kate pendant que j'ai un mort posé pour voir où j'en suis. Du coup, la petite grotte là, bah, c'était pour une quête. Bah, c'était cool. Du coup, on a libéré Orlan. C'est comment ça qui s'appelle? Oui. Orlan et comment s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom, le premier de la quête. Bon, j'ai sauvegardé, c'est pas grave. Tac, on remonte. Voilà, on se met juste là et on se repose. Le temps juste que ma constitution revienne. Donc, la disparition des druides. Tenari et Orlan. Oui, c'est ça. Tenari et Orlan, c'est bon. Du coup, Brea, je pense que il doit se trouver techniquement vers le cœur du bois de pied vert. C'est dans la technicité totale ce qui est le plus probable. Du coup, on va se suicider. On va aller se suicider, on va continuer la quête demi-principale, vu qu'elle fait partie un petit peu de la quête principale. Je fais juste une sauvegarde rapide. Une vraie sauvegarde. Et oui, vous voyez que nous sommes en septembre 2016. Le futur. On va s'en souvenir. On va s'en souvenir de cette session. Allez, on y go. Donc le cœur de la forêt. Ok. Ok, tout doux. On regarde, il y a des bruits, il y a la forêt. On va faire le tour. Ok, la zone semble assez grande. Ah putain, un cerf! Ok. Il y a de la vie. Dalin, vas-y, on est go. Là, on bourre. Il y a même des ours. Ah, Dalin, il y a un ours. C'est pour toi. Espèce d'ours, je vais te bouffer, je vais te bouffer. Ah mais Dalin il prend chien dans sa gueule. Putain la vache. Mais what? Oh. Putain Dalin qui s'est pris la... Putain il s'est pris combien? Putain il s'est pris plus de 30 points de dégâts. Oh ça pique. Oh la vache. Ah oh, j'aimerais pas être à sa place. Ah putain, ça me dit quelque chose. Déjà là il y a un campement. Et qui dit campement dit qu'il y a de la vie. Non, ne vois pas ce qu'il y a dans cette quête. Ne vois pas ce qu'il y a là, c'est un piège. Potion. Alcool, alcool fort. Potion pour l'esprit. What the fuck. Potion. Merde, t'es encore empoisonné quoi. Pourquoi t'es vert? Ah non, c'est le de santé. Potion pour tuer. Putain, ils sont sérieux. Attends, les mecs sont sérieux. Il y a carrément une potion pour les... Non, poison. Ah, c'est... Oh, ah, mais c'est la merde. Ah, mais c'est la bonne grosse merde des familles. Ah, mais ma vie est géniale. Ok. Donc là, c'est techniquement la cascade. On va continuer de longer. Là, il y a un pont. On va pas y aller pour le moment. Un arbuste. Bon, sur l'arbuste. Des petites baies. Je prends les petites baies. Ça peut être utile pour une quelconque alchimie. On va déjà cartographier cette zone-là. On va aussi tuer tous les animaux qui s'y trouvent. Voilà. Toi, le cerf, par exemple, hein, le cerf, tu es là. Donc, du coup, tu vas décéder. Oh, putain de merde. Oh, bordel. Annonce sanguinaire. Fais voir la gueule du tas. Et quand même, c'est bien foutu. Il y a même des traces de sang, vous avez vu? Là, il est sur deux fonds. Vu que c'est toi qui bourre, sauvegarde. Ouf. Et Dalin, plus jamais tu me fais un coup pareil. J'ai failli décéder. Donc là, il y a quoi? Là, il y a rien. Ok, donc nous avons une grotte ici. Je pense qu'il y a dans cette grotte le dernier.
Du coup, ce qu'on... Eh ben, on va continuer d'explorer la zone et puis on ira dans la grotte. Et si la grotte est un peu trop longue, eh ben, je ferai la grotte et puis on s'arrêtera là pour cette session. Je vous tease à mort la suite. C'est incroyable. Mais sachez que je n'oublie pas. Chaque fois j'y pense, je me suis dit, ah mais c'est pas une grotte ça, t'as vu la gueule que ça tire. Donc je disais, je n'oublie pas Neverwinter Night, je pense que ça fait partie intégrante de la chaîne, vu que c'est la grosse série. Prenez garde à ma colère. Ouais, Dalin, par contre, tu peux bouger ton cul, s'il te plaît. Ah bah, je vais utiliser des potions, vu que j'en ai pas. Attendez, ouais, j'ai masse de potions. Potion de soins importante, on va utiliser celle-là. Potion de soins modérés, on va aussi utiliser. Voilà, et là, mine de rien, tout remonte. Du coup, je profite pour refaire un petit peu Je profite un petit peu pour réorganiser tout ça. Et putain, j'ai 20 potions de soins intensifs. Faudra vraiment que je les utilise un jour. Donc, on est en train de tuer toute la faune locale. Ah, l'hôtel. Ok, il est là. On va pas y aller tout de suite. Parce que je sais que c'est la suite de la quête. Mais je ne vais pas y aller de suite parce qu'il y a une grotte. Et là, il y a une deuxième. C'est quoi ça? Ah, il y a deux grottes. Ok, bon, bah, vous savez que je suis ultra complétiste. Donc, on va faire les deux grottes. On va faire les deux grottes. Ah merde, il y a un cerf. Nécrolser. Et là, y a rien. Donc, la première grotte, ça se trouve, les deux grottes sont reliées. Ah non, y a... What? Attends, quoi? Il y a une grotte là, ok. La chute des esprits. Non, c'est le cours d'eau, ouais. Donc la chute des esprits, oui. Oui, donc là, c'est l'hôtel. Donc il va falloir que je me décède. Donc, mine de rien, je pense, hypothèse numéro 1, que la grotte là et la grotte là sont reliées. Cependant, je vais juste faire une petite pause, hein, une pause IRL pour faire des trucs, hein, notamment aller pisser. Et puis, je vous retrouve dans un quart de seconde, vu que je vais couper. A tout de suite. Bam, re tout le monde. Voilà, ça dure un quart de seconde pour vous. Donc, du coup, on va faire la masse de save, hein, comme d'hab. Enfin, juste sur quick save et auto save. J'ai fait quoi? J'ai fait charger, putain. Donc, charger la partie. J'ai fait charger, mais comme une... Oui. J'ai fait charger, je voulais faire enregistrer. Ce sont les aléas. Ça arrive, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Voilà, donc enregistrer, autosave. Voilà. Et donc, go la grotte. Enfin, caméra. La map. Ok, bon bah. Finalement, ça va aller vite celle-là. Alors, celle-là va aller très vite, on va juste trouver des carreaux performants. Il y a des tas de crânes. Peut-être qu'il y a un ennemi, on ne sait pas. S'il y a un ennemi, bon... Ah, ça c'est des flèches vampiriques, s'il te plaît. Hein, je connais. Voilà. J'ai envie de dire, j'en ai ramassé masse durant le chapitre 1 du jeu. Putain, mais des potions. Mais la masse de potions. Il y a un ours. Et du coup, est-ce que je... Putain, non, il y a deux ours. Attends, il y a un tas de pierres. Attends, Dalin. Ouais, bah, Dalin first. Voilà. Vieil ours sanguinaire. Ouh là là. Non, mais, attaque. Est-ce que mon perso fait de la merde? Ouais, mon perso fait de la merde. Je vais tenter une attaque spéciale. Renversement. Oh putain, ça a marché. J'y crois pas. Potion. Ouh la justesse. Ouh là là. Prenez garde à ma colère. Ah, il est bientôt décédé. Allez, il est bientôt dans le décès. Allez.
Allez, oh, mais ça, je serais jamais arrivé tout seul en fait. 280 XP. What? Il a. Il s'est transformé en pierre. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Espèce combien? Espèce 2. Ah, je prends. Non, casque. Obligé de faire le tour complet. Ah non, les carreaux d'arbalète, par contre, ça me passe, mais au-dessus. Oh. Ah, mais t'as. Non, oui, j'ai fouillé le cadavre. Bon, bah, c'était la petite grotte d'un ours. Hein, petite grotte très sympathique. Le petit ours à 270 d'XP quand même. T'as bientôt 53 000, bientôt le level suivant. Je crois que j'avais passé mon level, je ne sais plus quand, du chapitre, et qu'il fallait que j'aille revoir Rebeth. Pour la suite de son histoire. Qu'est-ce que je... Bah la deuxième grotte, hein, écoutez. Voilà, si je passe sur le pont, il se passe quoi? Normalement il se passe rien. Ou alors il y a un piège. Non. Oh, quelle musique. Quelle musique. Voilà, se reposer. Parce que Dain est dans la merde avec ses 30 points de vie en moins. Franchement, ouais. Je vais peut-être m'équiper d'un sort d'attaque. Paul d'araignée, ça fait quoi? Des filaments collants, 5 1 6 d'argent peuvent se déplacer, mais leur vitesse dépend de leur face. Ok. Non. Brèche mineure, transformation de tense. Alors ça, je peux pas les utiliser parce que c'est en rouge, voyez-vous. Je vais ouvrir. Je vais utiliser un sort, tiens. Je vais utiliser le rayon d'énergie négatif, comme ça me fait de la place. Et projectile magique. Voilà. Alors, le prochain monstre. Comme ça me vide les sacs et puis au moins je fais un petit peu de magie. Maison de Seta. What the fuck. Ok, ça pue. Ça pue tellement. Il y a un. Putain, il y a une plotte en peau. Putain, j'ai réussi à récupérer le piège. Aspersion acide moyen. Alors ça pue, je l'annonce direct, ça pute. Ah mais ça pue tellement. Ouh, ok. Discrétion. On avance et on va faire le rayon sur elle. Je lis le parchemin. Et c'est un 7 de magie. Qu'est-ce que c'est? Des élémentaires. Ah. Alors, ça fait un peu de bruit, je vous l'accorde. Un tracker invisible. Comment ça? Intangible? Non, invisible. Ok, je sais pas chez qui je suis, mais ça pue. Ma maison de Cetara. Une plante en pot. Je trouve un petit anneau. Ok, il y a trois portes, ainsi qu'une table. C'est ça le terrain indice, la table. Du coup, oui. Non, je me suis trompé. Oublie. Du coup, peut-être que le dernier druide se trouve ici. Ouah, il y a un truc qui vient de ramer. Genre violent. Je ne sais pas ce que c'était. Je suis désolé. Je pense. Projetage réussi. Je voulais pas forcer. Outil plus 10. Bah, du coup, c'est bien parce que j'ai réutilisé une potion. J'ai une masse de potions, écoutez, voilà. Tac, on transvase. Et les deux que j'ai trouvé, on va transvaser ici. Ok, donc la maison de Cetara. Cetara, ça m'a l'air d'être un petit boss. Hein, je pense. Vu qu'elle a un nom. Donc techniquement, si t'as un nom, c'est que t'as un minimum d'importance. Et ça rame du cul, je sais pas pourquoi. Ça doit être. Ah oui, c'est parce que j'ai ajouté les effets de l'eau. Est-ce que ça se voit? Ouais, les effets de l'eau, ça fait ramer le jeu. Je trouve ça drôle. Donc on ouvre la porte. Qui déboule sur une petite pièce qui a une caisse. Ok, bon bah ça fait déjà une porte en moins. Ok, j'ai de la suspicion. C'est tout. Une caisse, une barrique et... Ah non, deux barriques. Et il semblerait que ce soit tout. Donc là, il y a un petit débarras. Très bien. Ici, je penche pour un couloir. C'est un mur, très bien. C'est de l'autre côté le mur.